ensemble, pas seulement la Syrie ou la Tunisie ou l'Égypte, était dans un état de mouvement. Parce que si on est dans un état révolutionnaire, c'est démodé. Le mot révolutionnaire n'est plus utilisé. Ce mouvement voulait un changement. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans les mêmes conditions qu'on a subies pendant presque demi siècle. Et pour cela, quand on a publié notre manifeste le 8 mars, 10 jours avant le 18 mars, 4 intellectuels et militants syriens de gauche, on a voulu publier quelque chose sur Internet, mais on n'a pas imaginé Kadara au sud de la Syrie, parce que 3 d'entre nous, originaires de Dara, il y aura distribution de plus de 10 000 exemplaires de notre manifeste. Parce qu'il n'y a pas de militants démocrates à Dara, mais les gens voulaient quelque chose, cherchaient quelque chose. Et 10 jours après, les jeunes ont manifesté dans des conditions très difficiles et on a perdu 2 martyrs. Avant cela, il y avait des révolutions syriennes. Il y a sur Internet, il y a une page par un frère musulman, au souhait de la révolution syrienne contre Bachar al-Assad, qui a voulu faire le début avec la date du massacre de Hama. Ça n'a pas marché. Il y a 2 personnes qui ont participé. À Alep, un d'eux était Hassan, était arrêté. 2 personnes dans l'ensemble d'une ville de 5 millions. On ne peut pas faire de révolution sur Internet. C'est pour ça la date, la proposition et le support médiatique n'a pas marché. On a dit le 15 mars. Et le 15 mars, il y avait quelques-uns. Si on lit les journaux, même Al-Qusr Arabi qui n'est pas pro-saoudien ou pro-qatari, il nous parle le 16 mars des manifestations et des morts. Ça, c'est de la manipulation, c'est vrai. Ça, c'est de complot, c'est vrai. D'exagération, c'est vrai. Mais le 18, il y a 2000 jeunes qui ont manifesté, peut-être par ces 2000, il y a 10 ou 15 qui ont quitté une fois dans leur vie le territoire syrien, qui sont attachés à personne et qui n'acceptent pas l'influence de quiconque, qui ont de la fierté et qui n'acceptent pas d'être agents chez un Qatari ou un Saoudi ou un Français ou quiconque. C'est ça le début, c'est pour ça qu'on dit notre début, c'est le 18 mars, où les jeunes Syriens ont manifesté et ils ont appelé ça la révolte de la dignité, Al-Karama. Le mouvement réel qui a gagné sur le terrain était syrien, par des Syriens. Et du moment où ça a réussi, chaque ennemi, chaque côté, chaque organisation à l'extérieur essaye de manipuler ou de gagner du terrain avec ce mouvement populaire réel. La continuité pacifiste était toujours de l'intérieur. Et quand j'ai dénoncé ceux qui nous proposent des armes, beaucoup de gens ont dit qu'il est en train de servir le régime syrien. Non, c'était parce qu'il y avait un danger sur la résistance civile et la transformation d'un mouvement.
que les services de renseignement syriens sont incapables de déchiffrer le langage, les méthodes et l'avenir. Parce que le régime syrien, encore un temps, il a construit un truc très important, sécurité et armée. Alors, il voulait qu'on soit sur le terrain de la violence. Pour le régime, c'était le sauvegarde d'avoir une confrontation armée entre deux côtés. Et on rappelle tout le monde qu'au palais présidentiel à l'époque, il y avait M. Ouahed, c'est-à-dire Mohamed Nasri, qui en 1982 a participé au massacre de Hama dans une confrontation militaire. Dans une confrontation militaire, il est capable de gagner. Et on a massacré le mouvement syndical et politique pour la démocratie. La journée du 31 mars 1980, tout ce mouvement qui voulait la fin de l'état d'urgence et une transformation d'État vers la démocratie, en une confrontation entre l'avant-garde des frères musulmans et le régime. Et le régime a gagné. Et on a passé 30 ans après sous un régime dictatorial, grâce à cette militarisation des frères musulmans entre 78 et 82. Alors c'est pas à nous d'accepter la génération qui a vécu cette expérience, d'accepter ou de considérer la militarisation comme moyen de transformation ou de transition démocratique en Syrie. Pour ça, on était contre le départ, on a dit non à la violence, non à toute intervention étrangère et non au confessionnalisme. Parce qu'on voulait que le changement en Syrie soit un vrai changement. Il y a un proverbe populaire utilisé au Moyen-Âge, quand il y avait des changements entre Mahmoud et l'Amin, c'est-à-dire des califats de même nature. Les gens disaient, mais à quoi sert de changer un con par un autre? À quoi sert de changer un régime dictatorial autoritaire? Parce que le régime d'Assad n'est jamais intervenu pour interdire un livre de Wilhelm Reich ou de Freud, considérer ça hors de ce qui l'intéresse, la sécurité du régime. Tandis que les amis qui viennent nous rendre visite de plus de 80 pays aujourd'hui, propose un régime totalitaire, beaucoup plus strict et douloureux que les régimes totalitaires que l'Europe a connus. Malheureusement, l'opposition, une partie de l'opposition, est tombée dans ce piège. Et on a tous payé les frais. Et on a payé les frais des trois oui contre notre principe de départ. Oui au confessionnalisme, parce qu'il y a des injustices à l'égard des sunnites. Et les sunnites doivent éliminer ces maqloumis à injustice, un état d'injustice. Et si on demande à plus de 50% des sunnites à 1970, leur appartenance confessionnelle, je crois qu'une bonne partie n'a pas de réponse. Parce que certains d'entre nous ont appris ses origines à l'âge de 27 ans, par hasard ou par mariage, parce que l'état civil est resté sous la coloration confessionnelle. Malheureusement, avec la violence, avec la
confessionnalisme, la souveraineté du peuple syrien sur son sort n'est plus. Parce que nous, en tant que 12, 13 partis politiques, combien on peut acheter des Kalachnikov par mois? On va demander de l'argent aux autres pour acheter des Kalachnikov. On ne peut pas acheter avec nos propres moyens. La militarisation signifie forcément la dépendance financière des forces politiques syriennes. Ce qui est fait, et on est devenu des pro-Qataris, pro-Turcs, pro-Américains, pro-Iraniens, pro-Russes, mais il y a très peu de gens qui ont gardé ce qu'on peut appeler les pro-Syriens. Les gens concernés par le peuple syrien, par la souveraineté de l'État de demain et par notre propre décision pour l'avenir de notre pays. J'ai dit en août 2011, la militarisation signifie l'islamisation. Et ce ne sera pas l'islamisation la plus jolie, ce sera la plus extrémiste. Et beaucoup de gens m'ont attaqué sur ces déclarations. Et j'ai terminé la phrase, parce qu'elle est enregistrée, par dire « J'aime bien me tromper parce que l'image sera noire, la situation sera insupportable. » Et on va oublier le mot « somalisation ». Voilà aujourd'hui, on dit syrianisation à la place de somalisation, parce qu'on est pire que le Somalie. La situation ne fait plaisir à personne. Et on est vraiment l'une des pays aujourd'hui qui a perdu le plus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On estime dans les meilleurs chiffres de l'escroc, et de UNDP à 350 milliards les pertes de 4 ans de guerre en Syrie. Guerre civile, moi j'appelle sale guerre. C'est pas un civil, non. Sale guerre, parce qu'il n'y a pas de but. Personne ne peut gagner. On nous a fait des mythologies, des mythes. Vous avez une victoire militaire. Changement de rapport de force. Donnez-nous des armes spécifiques. Donnez-nous nos fly zones. Et vous allez voir. Oui, vous allez voir. Mais sur le terrain, 80% des armes données par la France, vendues par la France, et demain, d'Al-Qaïda. Que M. Fabius soit content. Il est le meilleur fournisseur d'armes Al-Qaïda, malgré lui, parce qu'il croyait que la force modérée à qui il a donné les armes est capable de les garder. Il a suffi d'un attaque avec l'aide pour tout prendre, et même certains dans les paquets avant qu'ils soient ouverts. Cette politique catastrophique, de régional à l'international, de Téhéran à Ankara, à Riyad, à Doha, ou au niveau international entre les Russes et les Américains, nous sommes devenus vraiment des victimes d'un jeu qui nous dépasse. Et quand les gens nous parlent d'une solution politique pour le pays, une solution, ce qu'on est capable d'aller loin dans une proposition d'une quelconque solution aujourd'hui, sans aller visiter nos amis ou nos ennemis, ça ne change rien, les mots n'ont plus de sens, parce que les concepts ont perdu leur sens dans cette sale guerre. Il faut le faire pour avoir la possibilité.
l'idée de négocier avec les Égyptiens une initiative égyptienne. Il faut le faire avec des Américains, parce qu'un veto américain, ça ferme la porte. Il faut neutraliser M. Erdogan, notre ottoman du XXIe siècle. Il faut neutraliser aussi M. Qassem Soleimani, le responsable des gardes révolutionnaires à Téhéran. Nous sommes maintenant vraiment à la merci de tous ces gens-là. Les plus importants aujourd'hui, qui sont-ils? Qui a entendu parler de M. Oveisi, ou de M. Fidal, ou de M. Soleimani avant la crise syrienne? Maintenant, c'est ces chefs de renseignement dans leur propre pays dirigent le dossier syrien et décident notre sort en tant que Syrien. C'est comme ça. Il faut appeler un chat un chat. Pour libérer 20 soldats libanais, on va supplier le responsable des services de renseignement qatari pour venir comme intermédiaire. Et pour payer, pour les terroristes, 10 millions, 20 millions de dollars qui ne sont pas pour acheter des fleurs, pour le peuple syrien certainement, mais pour autre chose, pour détruire encore plus un pays où il y a très peu de lieux qui ne sont pas encore détruits. Sada a parlé le matin, cet après-midi, de la question humanitaire. On demandait, nous, exilés en France, de nous envoyer l'aspirine fabriquée en Syrie de 100 grammes, parce qu'il est mieux fabriqué que l'aspirine fabriquée en Allemagne. 70% de notre infrastructure médicale est détruite. Et 30% travaille à 25%. Et maintenant, on est des mondiaux pour demander des médicaments à gauche, à droite, pour les blessés syriens, les malades, les handicapés, tout ça. Voilà ce que la situation syrienne nous donne comme image triste, comme image vraiment résumé par mon voisin algérien ou d'origine algérienne qui, toujours quand il me voyait le matin, me dit « Syrien, Khiar Nas, les meilleurs des gens. » Et maintenant, quand il me voit, il me dit « Syrien, pauvre Syrien, nous voilà où on est. » C'est ça la réalité syrienne. Et on essaye dans cette situation catastrophique de faire quelque chose. C'est pour ça que tous ceux qui parlent de solutions de luxe, moi je ne suis pas prêt à faire si Bachar al-Assad reste pendant 6 mois ou ne parle pas immédiatement. Ou je ne suis pas prêt à discuter avant d'écraser les terroristes que tout le monde aujourd'hui déclare dans une résolution de l'ONU que c'est des groupes terroristes. Alors il faut finir avec, avant toute solution politique ou avant toute proposition. Ça, c'est du luxe qu'on n'a pas le droit même de dire ou de penser. Responsable américain qui nous dit écoutez, le départ d'Assad aujourd'hui, c'est une victoire pas pour vous, mais pour Daesh, pour Al-Qaïda, pour les terroristes. Alors vous devez vous habituer à l'idée de vivre
demi-mandat. Demi-mandat à la salle. 3 ans. Très rapide. Je lui ai dit, d'accord. Mais est-ce que vous avez le courage, vous, de dire ça aux médias? Pourquoi vous nous demandez, nous, les démocrates syriens, enfants de 15 ans de prison, de 35 ans d'exil, de dire ce que vous, un grand État, n'a pas le courage de dire? Oui, maintenant, quand ils discutent avec nous, ils ont un autre langage de tout ce que vous entendez à la télé, de tout ce que vous entendez comme mobilisation. Hollande, avec tout le respect pour mon ami de toujours, Khaled Aïssa, n'est qu'un petit con dans cette histoire. Il a marginalisé le rôle de la France depuis longtemps. Maintenant, il fait comme ça des petites déclarations, parfois dans le bon sens et parfois dans le mauvais sens. Mais dans les deux cas, ça ne change rien, ce n'est qu'un coq, comme le symbole de l'équipe de foot de la France, pas plus ni moins. Ceux qui changent, qui influencent, qui ont un rôle sur le terrain, c'est pas ces gens-là. C'est autre chose. On a construit des monstres, et ces monstres ont le mot, et ils ont la force de faire échec à une solution politique s'il n'y a pas un changement réel de politique régionale et internationale. Il ne faut pas avoir des illusions. Monsieur Erdogan, qui laisse entrer 1 millier par mois des experts terroristes, c'est pas des débutants. Il y a quelques débutants, mais ils n'en trouvent pas tout de suite, parce qu'ils ont 2-3 camps en Turquie avant d'entraînement. Il fait entrer par mois 1 millier, mais il y a au moins 10 000 Syriens des meilleures capacités, des meilleurs experts, des meilleurs, vraiment, médecins, ingénieurs, professeurs, capables de reconstruire la Syrie de demain, qui quittent la Syrie chaque mois. Le parti le plus important aujourd'hui n'est pas notre Hayat Tahrir, n'est pas le comité de coordination nationale, ni la coalition, ni tous ces gens-là qui nous parlent. Le premier parti dans le pays s'appelle le parti de l'immigration. Dopou Chanati, prenez vos valises et sortez. On ne peut plus rester en Syrie. Et il y a cette hémorragie des meilleurs qui peuvent aider un jour à une solution politique ou à la reconstruction, qui sont en train de quitter le pays sans regarder derrière. Et je suis certain qu'ils ne sont pas capables de regarder derrière avant des mois, pour ne pas dire des années, à cause de situations où je ne peux rien dire à ces gens-là. Je ne peux pas faire la surenchère et leur dire « Restez, restez avec Daesh, même si votre femme sera captive par Daesh ou votre sœur. C'est pas grave, mais restez. Restez avec le régime syrien, même si vous pouvez être arrêté, parce que vous avez gardé le silence. Parce que le silence aussi signifie que vous préparez un complot. Restez dans le pays, parce qu'il y a quelques modérés encore qui... Ils nous proposent maintenant des camps d'entraînement pour 5 000 forces modérées. 5 000 forces modérées, 10 000, 20 000, 5 à 10. Le ministre de Défense a dit à 10, on peut faire. Qu'est-ce que ça signifie sur le terrain?
2%. Imaginons que ces 5 à 10 000 des Superman qui ont fait 10 ans de malice et qui ont fait aussi les légions étrangères françaises et tout ça, et qui vient dans ce climat, ce conflit, ils seront écrasés. Ils seront écrasés. Parce qu'Abu Mohammed al-Almani et Abu Bara al-Faransi et Abu, tous ces gens-là qui étaient ici des Haïti, c'est-à-dire des gens sans emploi, sont là-bas. Ils les attendent. Et ils ont une seule chose. Comment monter là-haut, pas comment rester ici. Alors, ils peuvent monter là-haut, comme ils ont fait aujourd'hui le matin, avec une opération suicide au nord de Kobani, avec l'aide de M. Erdogan. Nous sommes dans une situation que le monde entier va payer le prix. Le monde entier va payer le prix tôt ou tard. Et tant que vous êtes endormi et vous croyez que c'est proprement syrien, vous êtes vraiment anesthésié, sous l'anesthésie. Et s'il y a des frappes aujourd'hui par la coalition internationale, ce n'est pas pour les yeux des chrétiens de l'Irak ou les Yézidis de l'Irak ou pour Kobani. C'est parce que le CIA, le M6, ces forces-là ont compris que le danger n'est plus syrien, n'est plus régional, il va toucher le monde entier. Et malheureusement, nous vivons dans cette situation d'anesthésie et de double langage et on ne dit pas les choses comme elles sont. On ne dit rien. On a jugé deux frères avant-hier à Londres, 3 ans et demi et 4 ans de prison parce qu'ils ont participé à la guerre en Syrie, parce qu'ils ont tué en Syrie. Tué en Syrie, c'est pas grave. À Londres, ça fait 3 ans, 4 ans. Mais encore, il y a des Britanniques qui arrivent. Et encore, il y a des yeux fermés. Encore, il y a des Hezbollah qui traversent les frontières libanaise pour aller en Syrie. Encore il y a le Fonds de Nenatas. Encore il y a tous ces gens-là qui sont sur le terrain et qui constituent aujourd'hui au moins 30% des forces en combat, dans le combat. 30% des non-Syriens combattent sur le territoire syrien et c'est les Syriens qui payent les frais. Tous les jours. On paye les frais tous les jours. Parfois, vous lisez dans les journaux 67 civils. Avec tout le respect des chiffres donnés par mon ami Rami Ahmed Rahman, le conservatoire syrien, je dis écoute, Rami, même si on installe des caméras dans les villages, on ne peut pas savoir qui a tué qui. Parce qu'on est arrivé à un moment où le matin, on prend le déjeuner ensemble, 2 bataillons armés, et le soir, l'un des deux élimine l'autre. C'est ça la situation. Seul parti qui a une stratégie, c'est le parti de Daesh, ISIS. ISIS, comme vous voulez, en français ou en anglais. Pourquoi? Parce qu'il y a des anciens militaires de l'armée de Saddam Hussein qui ont fait la guerre de l'Iran, qui ont fait la guerre de Koweït, qui ont compris beaucoup de choses, qui ont été licenciés par les Américains, et après, comme on dit dans le langage des salafites, Aslam wa hasuna Islam, il est devenu des bons musulmans. Alors, on n'a pas que bon musulman maintenant,
Il est dans l'état-major. J'ai donné dans le livre, c'est pas pour faire la publicité, la liste des leaders de Daesh de l'ancienne armée irakienne. J'ai une liste de 200 généraux et lieutenants de l'armée irakienne qui sont impliqués directement. Ces gens-là ont une stratégie. Une stratégie, établir un état autoritaire, etc., monocouleur, on ne veut pas, qu'est-ce qu'on va faire avec les chrétiens? On ne veut pas les chrétiens. Et j'ai dit, oh là là, il y a des ennemis à vie aussi. Il faut les exterminer. Solution facile. Simpliste, ça nous rappelle vraiment l'idéologie nazie. Comment il a commencé, comment on peut avoir une société pure sunnite. Et cette société pure sunnite, parce qu'il est minoritaire en Irak, même si tous les sunnites sont avec Daesh, ne doit pas être multiconfessionnel. On doit se débarrasser des autres, tuer les autres. On fait des attentats pour tuer massivement les autres, comme si on peut éliminer 12 à 13 millions d'Irakiens. Ça, c'est des gens qui ont une stratégie, comme Hitler. Ils ont une stratégie. Et dans cela, il ne s'est pas laissé perdre. Une partie de Rawahiri et une partie maintenant rejoint Daesh. Les autres petits groupes pro-Qatari, pro-Saoudi, etc., maintenant on entre à ces gens-là, dans leur caserne, on leur dit à vous de choisir. Nous joindre ou joindre le bon Dieu, mourir. Alors une partie joint les terroristes et l'autre partie les massacre. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on a un régime syrien qui est, malgré tout ce qui a eu dans le pays, est dans un très bon état. Parce que pour le régime syrien, d'ici 6 mois, il y aura 2 forces. Les terroristes et moi, à vous de choisir. Et ça marche dans ce sens. Nous, chaque jour, on s'approche d'une confrontation entre deux sans autre force. Et c'est dans cette stratégie qu'Kobani doit être éliminée. Et c'est pour empêcher cette stratégie que vraiment Kobani est condamné à gagner. Parce que après il y aura 2. Si ça ne marche pas, il y aura 2. C'est vraiment une partie de la résistance qui empêche le plan turc, qui empêche le plan des extrémistes et qui empêche le plan de l'Égypte. Dans ces situations pareilles, on peut faire beaucoup de choses, mais on a beaucoup d'ennemis. On essaie d'abord de reconstruire l'opposition, parce que comme maintenant les amis du peuple syrien, moi je les appelle les Atiqat, c'est-à-dire les amis ennemis du peuple syrien, commencent à nous parler de la même façon à la fin du Conseil national syrien, quand Madame a dit Clinton expired. Et maintenant elle dit la coalition ne peut pas compter sur la coalition. Alors, on doit faire quelque chose. On essaie, en tant que force politique, personnalité, en tant qu'artiste, en tant que société civile, de reconstruire une opposition plus large, mais plus indépendante, surtout plus indépendante. Quel que soit le prix, parce qu'on ne peut compter sur personne. Comme j'ai dit, tous ceux qui ont dit l'ami de peuple syrien sont vraiment
vraiment joué le rôle d'ennemi souvent, pour ne pas dire toujours, souvent. Alors voilà, on doit compter sur nous. On doit compter sur ceux qui restent des forces démocratiques, des gens honnêtes, qui ne sont pas pollués par l'argent politique, par le mot pro, être au service de tel ou tel État. Et dire que malgré tout ce qu'on a eu, on peut avoir une position démocratique capable d'entrer en négociation avec ce régime de merde, parce qu'on n'a pas grand choix à faire, sur la base de ce que la communauté internationale a signé un jour et a appelé Genève à communiquer. Au début, je n'ai pas communiqué, pour nous, l'opposition était vraiment le programme minimum. Maintenant, à mon avis, c'est le programme maximum qu'on peut obtenir. S'il n'est pas modifié aussi, avec les besoins de mon update, mise à jour. Et mise à jour, on a un ami au Koweït, qui j'ai demandé, je lui ai dit, votre constitution est le plus ancien des pays de Golfe. Il faut modifier parce que le Koweït a signé et ratifié plusieurs pactes internationaux. C'est une chance de profiter de ça pour faire meilleure constitution. Il m'a dit, les femmes ne parlent pas de notre constitution. Parce que s'il y a modification, c'est vers le pire. Et nous, je n'ai pas communiqué, s'il y a modification, ce ne sera pas dans l'intérêt de l'opposition dans son ensemble et il ne sera pas dans l'intérêt de l'opposition démocratique. Je vous assure. Je le dis d'abord, parce que je sais ce que j'entends. Hier, j'ai vu les Allemands. La semaine avant, j'ai vu l'équipe, l'ensemble de l'équipe de Délestoral. J'ai rencontré le nouveau responsable américain, j'ai entendu l'ambassadeur russe la même semaine. Je sais ce que j'entends et je sais que nous ne sommes pas dans une situation où on peut être, comme on dit dans le formulaire, une pole position. Non, on ne sera pas dans une bonne position. Nous sommes responsables, tous. Tous. Hein. Quand je dis responsable, je ne dis pas la coalition est responsable. Chacun a sa part de responsabilité. Des groupes politiques, des groupes armés, et même des acteurs de la société civile. On a notre part de responsabilité qui varie. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de ne pas prendre en considération notre situation telle qu'elle est pour pouvoir mieux agir et mieux conserver quelques principes de ce qu'on a défendu avant et après le 18 mars 2011. On n'est pas dans une bonne position, je répète. J'espère que certains pays ont compris que si la sale guerre continue en Syrie, c'est une catastrophe pour l'Arabie Saoudite, catastrophe pour l'Égypte. 30% des djihadistes terroristes à Sinaï ont fait la Syrie. Alhamdulillah. Maintenant, les gens viennent baptiser chez nous. Fait le baptême en Syrie, après on va dire rien. Alors, l'Égypte est concernée, l'Arabie Saoudite est concernée. Comme j'ai expliqué dans le livre, plus de 40% des opérations de suicide en 40 jours sont des Saoudiens, avec leur nom, la date de l'opération et le nom. À Kobani, il y a
20 fils sans lien avec leur nom, qui ont perdu leur vie à Gomel. Sans lien. Je ne sais même pas s'ils savent ce que c'est que Allah. Pour eux, c'est des athées, des gens qui sont marxistes, communistes, des choses comme ça. Et donc, les Tunisiens, etc., qui ont... Il y a même des gens de Maghreb, un Azir, qui sont tués sur la frontière parce qu'ils sont avec Daesh. Ils ne savent pas que la cause des Kurdes n'est pas loin de la cause des Amazirs dans leur propre pays. Et ils tuent les Kurdes. C'est ça l'image surréaliste que nous vivons. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui disent on doit changer le rapport de force sur le terrain. Donnez-nous des armes spécifiques. Elles prennent les armes spécifiques, elles restent 15 à 20 jours maximum avec eux. Après, à l'attaque des groupes terroristes, on les prend. Ça va, ça va bien. 20 jours, ça va. On avait des armes pendant 20 jours qui sont spécifiques. Et on continue dans les mêmes conneries. Ici, en Europe, surtout dans ce pays de la France, où les néocons, au nom du Parti Socialiste, maintenant occupent des affaires étrangères, et qui continuent les mêmes conneries, la même politique. Heureusement qu'il y a des gens honnêtes comme Georges Magruno, Christian Chinot, qui écrit Les chemins de Damas et qui explique la politique catastrophique de la France à l'égard de la région. Jusqu'à maintenant, il y a un soutien. Hier, Mme Mann nous a dit, les affaires étrangères, elle a dit, écoutez, vous savez, nous, on a toujours une certaine attache avec la Turquie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des liens, comme les liens entre la France et ses anciens. Mais nous sommes surpris par ce lien entre les affaires étrangères et Erdogan. Des laïcs qui étaient vraiment purs et durs par leur expérience, par leur façon de vivre, tout ça. Et qui, chaque fois qu'Erdogan fait un truc, reçoit le soutien immédiat. Des affaires étrangères françaises. C'est les amis de la Turquie qui disent ça, que je suis surpris par vraiment l'acharnement de la France dans certaines prises d'opposition. Moi, je dis à tous ces amis du peuple syrien, laissez-nous tranquille. Moins vous entrez dans nos affaires, mieux nous supportons votre situation. À cette connerie, chaque fois que vous nous envoyez quelqu'un, après il a une promotion, il va comme ambassadeur à Qatar, il revient ici comme député, parce que l'argent du Qatar fait de lui un député dans la première campagne, comme il a fait maintenant, comme il a fait aussi notre ménage, comme il a fait tous ceux qui sont allés à Qatar. Maintenant, Éric Chevalier reviendra comme député, peut-être au ministre, après une période de repos à Doha, après toutes les conneries qu'il a fait en Syrie. Les Américains étaient plus honnêtes. Ils ont dit à M. Robert Ford, dégage, stop, Hamas. Ici, on ne dit pas dégage. Non, on donne une promotion. Et malheureusement, si nous voulons faire quelque chose, je vous le dis, nous n'allons pas discuter cela avec des pays qui n'ont pas vraiment une attitude constructive à l'égard du peuple syrien, qui croyaient que par la surenchère, ils pouvaient faire quelque chose. Et qui nous ont
pas accusé de complicité avec le régime syrien comme opposition démocratique parce qu'on a dit que la militarisation est une catastrophe. On est en train de faire quelque chose, on essaye de reconstruire, comme j'ai dit, une force syrienne qui vraiment dépasse les partis qui existent vers une ouverture vers des personnalités publiques, des personnalités même artistiques, des hommes de lettres, des militants de la société civile, pour avoir un bloc capable de dire que c'est vrai qu'on n'a pas des armes, mais on a la majorité de la population. Et cette majorité, c'est la vraie Syrie. Parce qu'on a des chrétiens, des arabes, des sunnites, des chiites, des druzes, sans distinction. On a des citoyens syriens. On n'entre pas dans ce jeu, sale jeu, qui fait des pays laïcs parfois des serviteurs pour des projets confessionnels. On n'entre pas dedans. Et ces citoyens-là, qui ont payé trop, beaucoup de victimes. Les premiers qui ont été assassinés par le régime sont les symboles de la résistance civile et de la lutte pacifique. Ce n'est pas les extrémistes. Les extrémistes étaient libérés par le régime syrien le 15 mai. Mon frère a été assassiné le 10 août. Après la libération, les extrémistes, ils ont assassiné les symboles djihadistes. Chadour aussi. Tous les militants de la lutte pacifique étaient assassinés par le régime. Parce que c'était le vrai danger. Mais maintenant, on n'accepte pas d'être seulement des victimes. On doit être vraiment la force qui réévalue et redonne à l'ensemble ou à la majorité de la société la voix qu'il a envie d'entendre dans une négociation correcte. On ne va pas tout gagner, mais depuis 4 ans, j'ai toujours répété, pour terminer avec le régime Assad, c'est un combat de boxe. On ne va pas gagner par le chaos. On va gagner par les points. Merci.